J'arrive full équipé comme à Brixton. Ici c'est LC, on découpe comme les Rolling Stones. Y'aura pas de pacte, je vous tire de part deux, tu finis dans pack. Coup de crâne barré dans la horde. Oui mais attendez, ouais. Parce que là, c'est il y a l'arrière. Qui a le bon flow? Dites-moi, sans, dites-moi. Mais il y a l'arrière. Attendez, attendez. Attention, ah ouais, sans. Dis-moi, dis-moi. Je te menace pas, okay. Sans, mais ta carrière est en jeu, d'accord, okay. Moi, il te menace avec un fusil d'assaut. Ouais, tu t'en fous, il va pas tirer. Allez, ah, attends, attends, pointe-moi. Tu me connais bien, monsieur. Il y a un mec qui sourit. Il y a un mec qui sourit dans le fusil d'assaut. Voilà, il est pas, il fait pas peur. Regarde sa tenue vestimentaire, comme elle est moche. Vas-y, essaye de dire pas moi, vas-y, essaye. Regarde. Ah, merci. Ah, tu vois. Oh, qu'est-ce... Mais il est complètement fou. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de débile. Attends. Va tu es encore staff. Mais... Il faut le ban, il a pas le fil. Va te faire enculer. Fils de pute, ça sera pas le dernier que je vais enterrer, bande de fils de pute. Bon, on est sûr avec toi que t'en as touché aucun. Si, non, si, 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 je suis. Mais si, ça avait été toi le tireur de Tupac qui serait encore en vie. Je te jure, il a touché en plus. Ah, vous la pétez, ah, une voiture là. Oh, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de me faire surprendre, ça je te crame. Venez, 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 voilà. Je t'ai mis des balles. Il fait que ça, mais en fait il peut pas équiper le deux tiers à MP5. Moi aussi j'ai pas pu. Oh, il a fait un rebond. Il a dit MP5. Allez hop, grenade. Parfait, parfait, là, parfait, c'est bon, là, c'est bon, c'est fini. Allez hop. Hein. Voilà. Et voilà. Aïe. MP5, il a une MP5. Allez toi. Tu vois qu'on est les meilleurs. Ah ouais, t'es vif, hein. Oui, il est super vif. Ah, il est grave vif, putain. La prochaine fois, tu ne nous mets pas à la, à la, à l'épreuve. Tu me dis, j'irai personne, mais je nique ta mère. Non, je rigole. Ah, oh, bah, j'ai match. Wana. Tito. Où est-ce quoi? Mais où est-ce? Ah, non, c'est pas ici, wesh. Elle nous a percuté à 2 km, je vais tout casser. Elle putain, mais je vais tout casser. Elle avançait même pas. Wesh, wesh, wesh. Allez, patate, la faisait le moulin que je vais tout casser. Voilà, t'es un fou comment t'as crié. Ah bah j'en ai voilà. Super, wesh. C'est plus ton cri qui m'a fait peur. Nique ta mère, wesh, c'est beau, wesh. Oh, j'ai... Oui, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais je vais vous baiser. Aïe, aïe, nique ta... Hop là, esquive, esquive de la loutre. Eh, attends, 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 attends. Oh, j'ai un gang au cul. Je vais revenir avec un pétard, vous allez voir. Bande de merde. Oh, les PNJ, ils ont voulu me faire. Oh, les PNJ, ils ont voulu me faire. En fait, là, c'est celui qui aura le plus d'essence ou qui t'apprend un truc, en gros. C'est-à-dire nous. Oh, le mec. Zaza, t'es un homme, t'as un côté d'eux, tu leur jettes un molo. J'aurais mon balle, tiré. Et que j'avons mis un positon plus en plus. Attendez, regardez, Nella, s'il te plaît. Vas-y. Non, fais pas ça. Vas-y. Je fais quoi? Ride or die. Attends, mais je vois pas l'essence là. Ah bravo, tu crèves des pneus. Ah! Mais la moto! Tire-toi. Non. Sors de là. Partons, partons, ça va péter. Non, je voulais sauver la moto. C'est la cousine de la tante de la voiture. Non, c'est celle de ma mère, c'est celle de ma mère là. Mm-hmm. Et vous, alliez où? Attends, je vérifie un truc. Hein. Alerte, ouais. Numéro 73, vol de véhicule Washington, plaque 61YQK518. Laisse-moi vérifier. Je t'annonce que tu n'as plus tes papiers américains. Donc tu n'es plus autorisé à être sur le sol américain. Tu as seulement 24 heures. On sait quoi? Je viens te chercher après. Tu prépares tes bagages. Je suis une fan de perso. Comment ça? Ton avion est prêt, tu prépares tes bagages. Fais tes bagages. Et là j'ai plus les papiers moi.
Là, tu n'as plus les papiers, je te les ai retirés d'office. D'accord, très bien, très bien, très bien, monsieur le raciste. Je viens, j'ai peut-être pas de papier, mais moi, au moins, j'ai un honneur. Mais qu'a pas d'argent. Tariq Mendez, j'ai été papier, d'accord, et tu ne les as plus, parce que ils sont à moi maintenant. Déchiré. Tariq Mendez, l'île des villes, c'est terminé à Liberty City. Rentre chez toi, fais tes bagages. Tu veux que je te rappelle où c'est chez toi ou c'est compliqué? Ah oui, oui, d'accord, très bien, monsieur le maire. Là, monsieur le maire, vous jouez à un jeu très dangereux. Vous jouez à un jeu très dangereux, c'est vous qui avez joué à un jeu très dangereux me provoquant. En fait, alors, on y va. Ok, on y va. Incroyable. LCPD, mort à la vie. LCPD, ça va mort à la vie. C'est pas possible que les gens travaillent pas. C'est des bandits, mais c'est des arrêtés. C'est mon petit, c'est les moments petits. Oh le bordel, je n'ai pas peur. Messieurs, tout va bien, tout va bien. Merci les amis. Branche au téléphone. Ok, tout le monde s'avance avec moi, s'il vous plaît, on s'avance tous ensemble là. Avancez-vous et couvrez-moi. Viens, 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 viens. Oui, oui. Matraque. Oh, let's go! S'il vous plaît. Oh là là, mais c'est une manifestation, c'est quoi ça? On bouge pas. Monsieur le maire, je suis venu, nous sommes venus pacifiquement. Je suis venu avec, il y a 4 représentants de 4 quartiers influents de Liberty City, et on est venu s'expliquer avec vous, parce que j'ai l'impression que vous perdez la tête, et que vous êtes en train d'entraîner vos hommes dans une chute libre totale, hein, parce que... Là, comme vous voyez, les jeunes derrière, ils attendent que ça. Et là, j'ai l'impression que ça va partir en couille, là, monsieur le maire. Vous êtes sûr, là, de votre choix? Je vais te l'expliquer concrètement. Vous avez des pistolets limités. Nous sommes armés de façon illimitée. Vous avez des membres. Nous avons des agents, nous avons des soldats. Alors n'essayez pas de créer une putain de guerre civile. Rangez vos burnes, portez vos couilles et assumez un moment. On a rien à perdre, nous. Nous, c'est la rue en premier, Jeff. Pas comme toi, t'as vu? Mais qui a parlé de défaite? Hein? Bah vous rasez nos quartiers, toi, donc nous on va tout perdre. On va raser. Bien sûr que c'est une défaite. On va raser. Rien à perdre. Je bloque. Ça va se passer simple comme ça. Attends, ouais, après H bloc, il y aura quoi? Vous pensez que vous allez raser? C'est ce qu'on pense. H bloc, il y aura quoi? On nous l'a dit hier. Que j'avais pas vu. Non mais après vous rasez H bloc. Tirez en l'air pour les intimider. Tirez en l'air pour les intimider. S'il vous plaît. Non. C'est pas du lacrymo. C'est un ordre. Tirez en l'air pour les intimider. Personne ne tire. Tirez en l'air pour les intimider. C'est un ordre. Personne ne tire. Non, on va pas tirer. C'est moi qui donne les ordres, pas vous. Si, c'est moi qui donne les ordres aujourd'hui. C'est de la raclure. C'est de la raclure et c'est pour ça qu'on combat. C'est pour l'Amérique qu'on combat. Il y en a, ils ont des feux d'artifice. Les fumigènes. Jetez les fumigènes. Ils vont pas tirer. Mettez les feux d'artifice. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui vont tirer. Moi, je le mets, il parle trop. Comment on l'allume? Je pense pas qu'ils vont tirer là. Vas-y, prenez vos trucs là. Vas-y, venez, on y va, les gars. Le maire d'émission. Merde. Vas-y, avancez. Venez par la droite. On y va par la droite. Regardez, il fête votre victoire. Regardez, monsieur le maire, il vous fête. C'est des projectiles. Bien, monsieur. Ça avance. Matraque, tout le monde, Vous me les tapez à la matraque. Allez. Allez affronter à la matraque. Monte. Avancez devant les gars, avancez devant. À la vie de ma mère, moi je recule les gars, je suis une salope. Venez, venez par là. Le maire d'émission. Prenez vos battes. Partez sur lui, partez sur eux. Nickel, tabassez-les. Matraque de con. Oh la dinguerie. Les gars, arrêtez d'avoir peur, c'est des tirs de sommation. Wow. Venez les gars. Vas-y, tire. Mordle-le. Je les ai brûlés les gars. Bien joué le chien. Restez à côté de moi, restez. Faut qu'on reste ensemble parce qu'ils vont jamais tirer dans le tas. Ah, tu rompons plan. Tiens fils de pute, je te brûle. Brûlez-les. Ramenez-les à l'enfer ces fils de pute. Oh, c'est pas grave les frères, veux.
ils attaquent. Écoutez, c'est une... faire des demandes de backup. Il y a trop de civils. Là, attention, attention. Remontez, ça va. Vous êtes malade. Regarde-le, il a pris feu tout seul. Montez vite. Il est mort. Il est mort, non, 55 pour tous, je me fais courser. Ah, ils sont un flic. Je suis en train de partir du bloc, j'ai un cavale, Kenny, cavale. J'arrive. Connard, on arrive. C'est pas de ma faute, c'est vraiment pas de ma faute. Voilà, crunchy. C'est bon, arrêtez, on va le tuer. Arrêtez. Arrêtez, vous allez le tuer. Oh les gars, faut le mettre en photo. C'est pas grave. On va le prendre en photo. Pas devant, avance. Avance. Sois timide mon gars, sois pas timide. Pablo gifle. C'est bon. Oh t'as l'air d'être avant. Dans son crâne. Qui est ? Prenez la poche, prenez une petite photo comme ça de vous. 65 ils m'ont abandonné devant le burger shot. Bon par contre, prévenez les UMS que vous avoir des dégâts là. 65 pour tous, j'ai besoin d'être récupéré, je suis vraiment. Aïe. Je suis mort, ils les ont tabassés. Je suis devant le burger shop. Y'a rien qui va, frère. Allez, tirez dessus. Et oui, mais même nous, il nous arrose. Mais arrêtez. En fait, il nous arrose même nous, lui, on le peut pas. Dégagez de là. Attends, commissaire, on va discuter, ok? Mais putain, mais... On va discuter, juste je vais chercher les hommes et on va discuter, ça et c'est fini. Mais retirez-lui ce jet d'eau à ce connard, il est viré. Tu es viré. Non, s'il vous plaît, monsieur le commissaire. Vous descendez de là. C'est bon, pardon, monsieur le commissaire. Pendant que tu fais le mec, elle me fait du booty kick. T'as ramené un grand chihuahua. Devant moi, il a béquillé sec. Vas-y, dis-lui Minecraft. Mais Minecraft où, frère? Arrête d'abuser, arrête de l'appeler Izzy. Oh, je suis pas carré. Ouais, ça va et toi? Franchement, pas trop. Si tu pouvais éviter de parler à Sherpy en plein RP, ce serait cool, vraiment. Genre, je sais pas, t'as cru que c'était savoir à qui, mais c'est vraiment pas le savoir à ta mère, hein. Oh la pute. Ouais, désolé. Oh non, pas arrêter la blague, s'il te plaît, m'a fait trop de la peine. Je suis désolée, c'était une vanne, c'est Béja, il m'a forcé, je le jure. Du coup, à quoi, t'imagines? D'histoire. Balance un jour, balance toujours, y'a pas d'entre-deux. Hein. Dooboy, aucun, on va chercher de lui. Je reviens. Tu peux couper la vidéo, tu reprendras après. Je voudrais. 2-1, 2-2, est-ce que tu sais que Haze il essaye de foutre la merde entre les gens pour qu'on s'entretue? Tu mens. C'est faux. Oh le bâtard, il est en train de me pouca avant plus. En plus c'est un moteur, c'est quoi ça? Ah ce chien. Jure-le. Ah je te jure c'est faux mon gars, Mais attendez, faut aller à gauche là, ça y est, vous êtes trop ici. Les gars, revenez les gars. Cavale. Faut parler avec eux les gars, venez on parle. Venez on crame la porte au pire chien. Parce que là... Venez on parle. Venez on descend, on sort en force. Ça tire. Ah je vois, j'ai mal aux yeux les gars. Je vois rien. Au secours. Je suis bloqué, ça fait, aidez-moi. Prenez la foudre. Stop. Au secours, on va canner. Il y a un mouvement de foule là.
Kawasudik. Grigny la gambane, une botte sur l'épaule. Kavadab soul, quartier marboule. Face à l'horreur, nous sommes dit tueur. Général Dougar, casquette à l'envers. Les pocs en l'air, brasseurs et niggers. Gazot mout en l'air. T'es chaud. Billet de verre, tu es un braqueur. Fuck les procureurs. Fuck. Le procureur. Voilà. Venez, on les attrape avec la chanson de Billy là. Oh, ils sont là. Fais quoi? Il va tirer. Il met les seins, c'est bon. Ah, ok. On va les baiser. On va les baiser. Oui. Ils sont sérieux. On descend. Vas-y, descend. Il y a les keufs. Oh, les gars, la vue de ma mère, j'ai mis 5 balles. Il y a les keufs. Moto. Je vous trouvais beaucoup raciste et je me suis dit peut-être que vous n'êtes pas raciste. Hein, c'est vrai. Non, absolument mais pas. J'espère qu'elle vous a dit aussi qu'elle allait accueillir un enfant. Bah comment métissé quoi. Tu connais pour le cavalier. Elle est enceinte. Voilà. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Mon ami. Elle est enceinte. Bah enceinte. Alors c'est soit de tonton. Voilà, donc moi. Oh nom de Dieu. Tu connais. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Monsieur, elle a sali le nom. Oh non, elle a sali le nom. T'as sali le nom Montgomery ici. Est-ce que t'es enceinte ici? Et en plus, ça se devait se marier avec Ace. J'ai pas fait de test de grossesse encore. Ou peut-être des deux. En tout cas, je vais te dire quelque chose. Apparemment, moi, quand je terminais, j'étais à l'intérieur. Si tu vois ce que je vous dis, j'étais à l'intérieur. J'étais à l'intérieur, je programmais tout ça. Laisse qu'on s'en fiche, allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital, c'est bon, allez à l'hôpital. Allez, on y va tous à l'hôpital, messieurs. On va à l'hôpital. Ce dilemme, frère. S'il vous plaît. T'as vu Jake, moi un conseil, insulte la personne qui t'a... Avant d'aller à l'hôpital, insulte la personne qui t'a... Non, je sais. Si, fais-le, il va t'arriver. Viens, Mayane, je sais. Viens, Mayane et B. Ouais. Ben vas-y, dis mon prénom, ta mère la pute. Allez, c'est... Désolé. Ça y est, allez, non, ça y est. Bon, t'as bien visé, il a dormi sur le siège. Car la famille des bises. Félicitations, allez, maintenant. Bien. Putain, qu'est-ce qui m'est arrivé, bordel, je suis mort là. C'est fini. Je vais rejoindre Jackson. Doughboy. Je vais rejoindre ma sœur. Faites-moi un câlin, s'il vous plaît. Je veux pas partir, moi. Je suis jeune, j'ai des choses à accomplir. C'est trop tard. Je veille sur toi. Merci. Ah Dodi, tu m'as manqué, hein. Putain, vas-y. Vas-y. Voilà, Dodi, c'est imité. Ouais. Vas-y. Oh ah oui, mais attendez, c'est vrai, y'a un bien truc. C'est bien ça, y'a un petit truc. Non, c'est vrai, y'a un petit truc là. Oh mais quoi? C'est trop bien. C'est les mêmes. Mais c'est parti, messieurs dames. C'est parti, messieurs dames. Voli, voli. Mais quoi? Oh là là là. T'as vu, c'est fait le même. C'est sensation. C'est fait le même. Ouais. Non, je t'en supplie, non. On sacrifie Clochard. Comment ça? Il va au milieu. Vas-y, poussez-vous. Eh, on les sacrifie dans le pouvoir de la féminité sacrée. Non. Les hommes, c'est tous les mêmes. Répétez après moi. Nique les Sarah, nique les Sarah. Fuck les hommes. Venez déposer un stylet, s'il vous plaît. Personne ne bouge là, c'est qui Lizzie? C'est qui Lizzie? Oula. Mais c'est moi. Arrêtez, j'ai peur. Viens. Mets-toi devant. Oh là là, j'ai peur. Mets-toi, dépêche-toi. La première qui fait la folle, là, qui fait un juste bruit, je la bute. Pourquoi ça part toujours aux couilles? Bouge pas. Je peux finir mon truc. Non, même pas, y'a pas de... Oh putain. Oh, le décalage entre la musique et le... Oh, de la musique et la scène. Bah quoi? Elles sont malades. Mais c'est musclé, hein, y a du... Écoutez, nous allons partir à Alderney. J'ai potentiellement la localisation du Arthur qui nous casse les couilles. Par contre, là-bas, ça risque de fortement tirer. D'avoir des coups de feu énormes. Putain, c'est pour ça que j'appelle
que les supérieurs. Ah, putain, le SWAT, non. Malheureusement, je leur fais plus confiance. Pas, vous inquiétez pas. Allez, nique ta mère. Allez, moi, j'ai fait du parti du SWAT et il y a plus c'est bon, c'est bon, tu es avec nous. C'est là, c'est qui vous fait confiance, espèce de débile. Ah, d'accord. Bon, il y a un itinéraire. Normalement, on peut avoir accès à un sous-marin pour accéder à Alderney directement et pas se faire cramer par les sauvages qui y habitent. Faut savoir que là-bas, c'est des grands gogols. Ils tirent avant de réfléchir. Normalement, Arthur se retrouve en haut d'une tour appelée la Cité là-bas. Ils appellent ça la Cité. C'est ici où ils se réunissent. Il va falloir être discretos, mentatos. On va passer par les égouts. Parce que normalement, il y a une porte qui est à ces deux égouts. On passe par là. Le premier qu'on voit dans les égouts, 14, je compte sur toi pour lui faire avaler ses chicots. Ouais, t'inquiète pas, ça. 21, on était en train de dire que nous allons partir à la guerre à Alderney. Bon. Oui, non mais t'as bien entendu, mais il a fait quoi? On va faire la guerre à Alderney. Il a fait à Alderney. 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 Il a fait quoi? C'est un putain d'élève là, vous savez celui avec les caméras là, celui sur l'écran. C'est lui Arthur. Il était pas là. Eh bien voilà, bah ah oui ok, en gros il y a un mec, il a hack la ville, il a fait couper l'électricité. Il a pas fait ça. C'est un espèce de Kyrios mais un peu plus étonnant. Mais il a pas fait ça justement. Il a pas fait que ça, il a aussi fait des grosses explosions. Vous avez rigolé, ça vous fait rire, le mot Kyrios? Ouais. La situation est très grave. Y a quoi? Ça vous fait rire, c'est un criminel comme un autre à l'époque. Oui, un grand criminel. Pourquoi vous, quoi, comment? C'est acharpé de savoir que c'est acharpé par contre, je vous préviens. Moi je ne connais pas. Oh d'accord. Très là bien. C'est un moment où il va falloir être radical. On a peut-être l'occasion de tuer le Arthur. Oh, monsieur le maire, bougez pas. Reculez le frère. On sait jamais si c'est pirateur. Silence. Ok, bon, ne tire pas sur la télé, ça sert à rien. Nous interrompons vos programmes pour un flash spécial. En toute discrétion, hein. Direct depuis Alderney. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bonsoir à tous. Pardonnez-moi de vous déranger en cette belle soirée. Mais il semblerait que vous prévoyez de venir me rendre visite. Il fallait m'appeler avant. Je vous aurais ouvert la porte. On t'a repéré au numéro, chef. Mais on dirait qu'il y a un petit nouveau. Vous ne l'avez pas briefé. Les télés ne sont... Ça sert à rien de tirer dedans, petit casque vert. Attends, mais quoi? J'ai pas une vidéo? Tu m'entends? Allô? Non, mais oui, t'entends. Je vous entends. Oh là là, mais c'est super bien, c'est la technologie, d'accord, non, vous êtes où, on bien. Arrive. Ah parce qu'en fait, nous, on sert quelqu'un avec con, monsieur le maire. Mais pourquoi? Calmez-vous, 21, arrêtez de faire le zouave. On peut lui demander peut-être qu'il sera là aussi. Arrêtez de faire le zouave. Et dis donc, écoutez. On recrute vraiment n'importe qui de nos jours. Je te propose de te donner rendez-vous dans le plus haut building, tout en haut sur le toit. Et pour une fois, je suis joueur. Je t'autorise à emmener tes petits copains avec toi. Je les vois là, mais à une condition... Qu'ils ne viennent pas armés. Ce serait gentil de respecter ça, sinon vous risquez d'avoir des morts sur la conscience. Enfin, c'est vous qui voyez. Vous pouvez nous laisser 2 minutes de réflexion, s'il vous plaît. 2 minutes? Vous savez quoi, je suis joueur. 2 minutes? À partir de maintenant. Il est trop... Ah. Bah non, là, c'est pas possible. Ok. Non, je vous jure que non. Bon, dépêchez-nous, alors, le maire. Mais choqué. Attends, mais il nous entend, là. Allons par là. Eh, arrête de nous écouter, d'accord? Moi, j'y vais pas. Ça ne sert à rien. Mais Bud, t'es con, putain. Mais c'est bon, on perd le temps, venez. Mais Bud. Venez. Salle de réunion. Dépêchez-vous. Il nous reste 1 minute 37. C'est un oui, on vient maintenant. Il bloque ses paroles, Jean-Pierre. Vous bloquez vos paroles? C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est son dernier mot. Pour un mi-temps, vont-ils rester en vie? Vous le saurez très prochainement. Donc qui veut gagner des dollars? A tout à l'heure. Ben, jure-moi que t'es pas complice et que le dialogue n'est pas respecté. Je t'es pas complice, t'as même pas en mode. Tu es complice, Bud. Mon dieu. Non, tu lui as pas prévenu à l'avance de lui dire de mettre une musique. Non, merde, je sais pas c'est qui. C'est normal. Il est trop fort. Il est fort. Il est choqué là. Oui. Non, vraiment, c'est abusé. J'avais un truc à dire. J'ai vraiment l'impression d'être dans Fort Boyard. Alors vous avez l'impression d'être dans Fort Boyard? Oui. Mais peut-être qu'on y est ou peut-être pas. Non, moi, je suis plus dans Koh-Lanta par exemple, tu vois. Non, t'es plus dans Koh-Lanta toi? En fait, il a plus l'impression de... C'est vrai que ça fait un peu plus peur, Koh-Lanta. Oh. Moi j'aime bien Pékin Express. Mais comment il fait? Mais c'est trop, attends. Bon, quittez, maintenant feste-toi. Oh le délire. Ah, je l'imaginais plus grand. Le face à face. Bonjour. Tu es choqué, Jeff. Je te tire mon chapeau, mon cher papa. Ah. Ça fait un bail, hein.
Je savais bien que c'était ton fils. Comment ça, fils, connard? Je savais pas que c'était lui, putain. T'étais pas censé être mort. Si t'es pas censé être mort ou être sur Alderney. Parce qu'à 16 ans, tu m'as viré de la maison. Tout ça parce que j'étais amoureuse d'une afro qui s'appelait Ferry Derry. Pourquoi? Pourquoi t'es un putain de raciste? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir un père pareil? Tu l'as dénoncé au service d'immigration, mais... qu'est-ce qui tourne pas rond dans ta tête, putain? Tu l'as renvoyé à Alderney. Je suis désolé, fiston. Mais moi, je l'aimais, moi. Et t'as préféré me virer de la maison alors que j'avais 16 ans. M'abandonner quand j'avais 16 ans. Tu as quel âge? 16 ans, vous imaginez? Soumis à la dure loi de la charte. Mais tout ça, c'est du passé. Vous savez quoi? Je vais être Clément. Je vous laisse 2 minutes. Ah, soit vous restez, et peut-être qu'un de vous sera désamorcé. Vous avez mis le chrono là. Je vous souhaite bonne chance, les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il... Non, 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 non. Oh l'enculé, mais j'ai... Oh non, mais... J'ai pas de... On doit faire quoi? On doit sauter... Ça va exploser, ça va péter, putain. Écoutez, trouvez la bombe, trouvez. Tournez. Trouvez la bombe. Non, non. Soulex. Il est mort. Il est mort. Ah, il va bien. Attends, je crois que c'est... Ok, viens avec moi, Jeff. Tue-moi. Je ne vais jamais te tuer, mais t'es malade, mais jamais je vais te tuer, mais tu es malade. Mais je vais... Personne va te tuer. Viens avec moi, on va trouver cette bombe, viens. Bah non, il faut trouver la bombe, on s'en fout, Jeff, vas-y, suicide-toi, on s'en fout. Non, Jeff, bad. Pas du tout, pas du tout. Jeff. Bah on est obligé. Descends de là. Jeff. Je peux pas à 14, je peux pas le laisser comme ça. Laissez-le, messieurs. Laissez-le faire, messieurs. Laissez-le faire. Bah non, parce que sinon après on va avoir la mort sur la conscience. Bah non, il faut pas que tu fasses. Faites sauter Jeff, le bon pour ça, voir si vous dites la vérité. Non. Wow. Mais vous êtes con. Mais vous êtes un foutu. Non, au moins on sait. C'est bon. Vous êtes tout est bon, tout est bon. Il serait peut-être temps qu'on ajoute quelqu'un dans ce plateau de jeu. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Please. J'espère que c'est une meuf. Enfin personne avec un gun qui va tous les tuer. Allez, ça va tirer, qui c'est qui est bloqué? Sors ton pétoir, Mehdi. Sors ton pétoir, Mehdi. Mais Il est là. Tu le tues. Tire, Soulax, tire. Mais je vois rien. Tire, on s'en fout, tire. Mais ça fait pas de dégâts, son arme. Il était là. Protégé. Alors on reste ensemble. Bud, on reste ensemble. Là, Soulax, vas-y, va. Putain, attention. Je crois que j'ai touché. J'y vais. Merde. Non, non, je peux pas, je reviens, je peux pas. Je vois rien. Vite. Oh, Ben, j'ai dans. Soulax. Oh, j'ai un truc de bâtard. C'est dans le gilet. Putain, lève-toi. Il y en a un derrière, bande de débiles. Aïe. Ah non, j'ai rien en fait, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien en fait. Ça va aller. Si, j'ai de mal partout. Aïe. Je suis désolé. Ça va le faire. T'as tiré sur Ben, Mehdi, t'es un connard. Ça va le faire. Soulax, regardez où vous visez. T'es un connard, Mehdi, t'as tiré sur Ben, tu te rends compte? T'es un traître à la nation, Mehdi. C'est où, t'es un traître? S'il vous plaît, il y a la troisième vague qui arrive. Allez-y, sauvez-vous, je vais rester là, moi. Écoutez-vous, je sais pas, je vais peut-être balancer ça, peut-être qu'ils vont nous voir, laissez connards. En fait, j'ai tué quelqu'un. Mais on s'en fout, c'était le passé, d'accord? Blender, tu as besoin de prendre ma vie, mais tu fais pas exploser le bâtiment, d'accord, s'il te plaît? Moi, j'ai fait partie d'un groupe d'hooligans. Et j'ai fait que des gros péchés. Voilà, je le dis. Mais quel retournement de situation de la part du maire? Un groupe d'hooligans, mais qui le cru de la part du maire? Oui, c'est quoi ça? J'étais un ripou, j'ai vendu des armes aux vagos. Moi, j'étais un ripou, j'ai vendu des informations à Diego. Oh, mais quel affront! Yam, à ton tour. T'es bien vous au sort de la police, okay, mais non, je n'y crois pas. C'était avant. Ok, moi pour venir à Liberty City, j'ai baisé la fille du commandant au Texas. C'est bon. Espèce de gros dégueulasse. Oui, il fallait bien que j'y arrive. Pour venir ici, il fallait bien que je vienne quelque... Oui. Bref, ça s'appelait Jenny. Tiens, dégueulasse, capitaine. Oui, c'est... Bon, maintenant tout le monde a dit ses péchés, c'est bon, monsieur.
Non, vous, commissaire, vous l'avez pas dit. Et vous, monsieur le commissaire, on vous a pas oublié? Moi, je sais ça. Très bien, j'ai tué un opposant de guerre. Oh, ça va? Bah, c'est un menteur. C'est un menteur. Tuer un opposant de... Bah, c'est rien. C'est rien, mais pour lui, c'est beaucoup. C'est la guerre, quoi. Justement, nous allons l'appeler. Appelons Chapman. Ah bah non, il est mort. Oui, Chapman, oui, c'est vrai. Non, c'est pas moi qui l'ai tué, hein. Vous avez tué Chapman. Non, indirectement. Vous avez tué Chapman. Vous avez tué Chapman. Chapman, c'était l'ancien commissaire. Avouez la vérité, monsieur le commissaire. Celui qui fait lui là. Mais non, connard, il visait le réacteur de la bombe nucléaire, d'accord. On pouvait pas laisser faire ça. Il m'a tiré dans l'épaule. Vous êtes une salope. Vous êtes une salope. C'est à cause de vous qu'on se retrouve dans des galères. Parce que vous avez des putains de comme ça. Et puis c'est un bordel depuis le départ. Allez, vas-y, venez, je suis votre homme. Venez, je suis votre homme. On est pas là pour s'engueuler, arrêtez. C'est à cause de vous maintenant que c'est à tout ce bordel. Comment ça, c'est pour ça qu'il me focus parce que vous avez buté un Afro-Américain. C'est vous le problème, c'est votre fils, espèce de débile. Je pense que cette entrevue est assez durée. Vous avez dit mon péché, je suis quelqu'un qui tient parole. Je vais donc désactiver les bombes. Vous pouvez désormais partir, mais n'oubliez pas, je serai toujours là, Jeff. Merci. Et comme on dit, je vous tiens par les couilles. Merci beaucoup, monsieur le bleu. Oh, le terroriste, on est vivant là, on est vivant. On est tous vivants, putain de merde. Ok, on s'en va. Allez, venez. On se partit. On va arriver. Y'a plus de débat.